Yes, salut, c'est Days et aujourd'hui on se retrouve sur Saintro Third, je crois que ça se dit comme ça. Enfin, en tout cas, c'est le troisième du nom, troisième opus. Et franchement, c'est un jeu que je kiffe trop. Je kiffe trop parce que simplement, c'est comme les GTA en fait. T'es libre de tout mouvement, tu peux niquer la gueule aux gens, tu. Je sais pas, par exemple, attends. On va se mettre à main nue, voilà, tu peux péter la Non, gueule dans c'est la rue, tu horrible. vois, t'en bats les couilles. Tu fais des prises de catch aussi, attends. Attends, tu cours vers un mec. Vas-y, toi. Oh, je suis désolé, c'est un petit vieux, mais. Bim! Dans tes dents. Ok. Bref, il est excellent, on peut faire ce qu'on veut. Et puis, bah. En tout cas, genre, c'est une petite vidéo tranquille. Je voulais juste vous montrer un peu à quoi je jouais. Et puis, ce jeu est. Il est trop stylé, quoi. Ouais, ça, je viens d'apprendre, je savais pas qu'on pouvait choper un mec en spire et puis le prendre comme bouclier humain. D'accord. Ok. Ah. Ah bah voilà. Oh, mais c'est monstrueux ce qu'il fait, c'est trop stylé. Bref, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire, donc je vais aller directement à une mission. Oh, c'est vénère ce qu'il peut faire. Bref, là on peut changer les stations de radio. Ok, ouais, non, c'est pas mon style, ça non plus. Ah, du reggaeton. Oh, bah écoute, j'aime beaucoup le reggaeton, mais. Ah, mais je trouve que ça colle pas là avec. Plus sa voiture est nulle à chier. Ouais, ça non plus. Non. Ah, du hip-hop. Ah, ouais. Nanana. Ok, ça le fait. Donc. Notre téléphone en fait il fait office de menu principal, t'as tout là, t'as les revenus d'argent. Ouais, j'ai beaucoup de thunes en fait parce que j'avoue, j'ai triché, ouais, c'est des codes qu'il y a dedans en fait, tu rentres un code dans ton téléphone, donc le téléphone qui est là, hein. Et moi j'ai juste fait le code de l'argent parce que je déteste galérer pour avoir de la thune. Donc voilà. C'est le seul truc que je fais. Après, je prends pas les trucs genre invincible, armes illimitées et tout ça parce que je trouve que ça gâche le jeu. Donc là, on doit aller faire une mission. Et c'est une mission qui est super impressionnante, celle-là. En fait, rien. Je vais vous la montrer directement. C'est une mission qui est trop vénère. Rien que la musique, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Donc là, on se dirige. Je crois que c'est. On va prendre un hélicoptère en fait. Parce que l'histoire, c'est que nous, en fait, on est le chef d'un gang qui ça s'appelle les Saints. On est les Saints. Notre couleur, ouais, parce que c'est un peu comme les gangs en Amérique, tu vois. Enfin, il y en a qui connaissent les Crips et les Bloods. Et eux, ils ont deux couleurs pour se différencier. T'as le bleu et le rouge. Et puis là, c'est pareil, en fait. Sauf que nous, c'est du violet. Donc notre gang, c'est du violet. Et en gros, pour pas gâcher l'histoire, hein, vous aurez qu'à vous procurer le jeu. Et d'ailleurs, là, il y a des offres spéciales sur Steam. S'il y en a qui ont Steam, je crois que moi je l'ai eu pour 10$. Donc voilà. C'est-à-dire que. Ah bah, vous voyez, là, il y a des mecs de mon gang. Ça, c'est notre signe. C'est une fleur de lys. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Une fleur de lys. Je sais pas si je me trompe. Ouais, bref. Voilà, c'est violet. Ça, c'est notre. Ah, excuse. Oh merde, je savais pas que. Ok. Donc voilà, on a perdu notre empire à cause d'un bâtard. Et puis là, en fait, on a super la rage. On est vraiment vénère et on veut récupérer notre empire à n'importe quel prix. Donc le jeu, il est vachement violent. Enfin, violent. Pour vous dire qu'il n'y a pas de limite, le mec, dis-toi, toi, t'es un chef de gang et tu veux récupérer tout ton empire. T'es prêt à tout, quoi. Voilà, c'est pareil. Donc voilà, je vais maintenant. Ça, c'est la mission. Ça, c'est en fait notre building à nous. Et il a été pris par ce connard. Et puis là, bah nous on va venir le récupérer. Donc je vous laisse regarder un petit peu ce qui va se passer. Ok, là ça va castagner. Hein. Oh putain, la musique. Bon bah voilà, là je vais me jeter et je vais arrêter de parler, ok? Je vais faire la mission, je vais vous laisser kiffer le moment. Allez, c'est parti. I really gotta stop doing this shit.
Ok, bande de catins. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, bande de pute? Vas-y. Rendez-vous. Je m'en fous, moi, de vos boucliers humains. Go 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 go. Comment on fait pour passer? Vas-y, on va se battre un peu à main nue là. Tu cherches qui toi? Yes, bah voilà, c'était pas mal. Bon, c'est pas fini, maintenant faut que je suive ce bâtard. Non, dégage, j'aime pas ça. Hip hop, s'il vous plaît. Voilà. Ah ouais, y'a du rap français dans le jeu. J'avais oublié de vous le préciser. Ah, ils ont remis la musique. Ok, nice. Oh putain, comment je la kiffe cette musique. Elle est parfaite pour ce jeu. Et. Nananananananan. Vas-y bâtard. Là maintenant il va essayer de m'emmener à des endroits chelous là. Pour que je me pète la gueule, mais moi je passe au dessus. C'est un peu con, hein, voilà. Vas-y fatigue toi. Tu vas où pas le trek? Je te suis de près, man.
Ouais, y'a un mec sur le bâtiment là. Je sais pas, y'avait un gars sur le bâtiment, je sais pas ce qu'il faisait. Peut-être un bug du jeu. Où est-ce qu'il va? Ah, il va se poser, il va se poser. Ah le bâtard. Oh! Oh, il y a des lance-roquettes! Ok. Oh les putes! Vas-y, vas-y, je te sens. Oh la pute! Oh! Ah, j'ai chopé un lance-roquettes! Oh, oh, trop bon! Trop bon! Attends, vas-y, vas-y. Moi j'aime trop ce temps parce que les mecs ils prennent feu. Merde, je dois aller où? Oh, faut que je saute. Oh, allez, bim. Qu'est-ce qu'il y a? On est là. Oh, tous les points rouges! Oh, ça va être un bordel. Oh merde, j'ai plus de balles. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas morte là, on se requête dans tes dents et. Ok. Oh, c'est dit qu'elle est trop stylée aussi. Pourquoi on l'entend pas fort? Je savais même pas qu'elle était là-dedans. Top step. Il va falloir que j'augmente le. Oh, il est là-bas. F pour le tuer rapidement, vas-y. Ah ouais, ah lol. Il rigole pas. Au cas où, je tiens à préciser, moi je suis au début du jeu là. Franchement, je trouve qu'il est super rapide au niveau des atouts. On gagne des atouts super vite. Et ça, c'est bien parce que moi. J'ai pas vraiment de patience pour les trucs trop longs. Là, genre, à chaque mission, t'as au moins 3 atouts déverrouillés. Genre, t'as une santé plus grande, tu résistes plus, t'as plus de balles dans le chargeur. Tu peux avoir plus de mecs dans ton gang. Bref, t'as différents trucs. En tout cas, ce jeu, c'est un jeu que je conseille à tout le monde. Enfin, à tout le monde. Pas au gosse, hein, parce que c'est vrai que ça peut retourner le cerveau, mais il est super. Je veux dire, moi je m'éclate pour une personne normale. Voilà, tu tues des gens dans le jeu, tu vas pas le faire dans la rue, tu vois ce que je veux dire. Mais les pépères, si tu veux te défouler, si t'as la haine, si t'as les nerfs et tout, j'en sais rien, peu importe, et ben tu peux vous promettre que ça c'est un putain de défouloir. Si tu veux te lancer, faire un truc, c'est un défouloir de malade quoi. Ok, habitation. Ah, maintenant voilà, bah en fait j'ai récupéré mon building. Donc ça c'est cool. Tu vois, là j'ai gagné des trucs. Ah bah je vais pouvoir vous montrer. Donc amélioration, tu vois, j'ai fait une mission, j'ai 5 améliorations, tu te rends compte. Donc capacité, notoriété. Donc quand on est recherché, ça descend plus vite. Voilà. C'est tout ce qu'il y a là. Après, t'as dégâts, tu gagnes par exemple dégâts de feu. Réduction des. Ouais, bon là c'est en l'occurrence, c'est pour moi, c'est pour de la résistance. Je tiens plus longtemps quand je suis enflammé. Combat, combat, combat. Voilà. J'ai mes munitions de pompe qui augmentent. Ça, c'est bon. Parce que je suis souvent à court. Et munitions de grenade. Ça, c'est bien aussi. Parce que c'est vrai que les grenades, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Capacité de gang. Arme mitraillette. Et voilà. Ça, c'est excellent. Parce que c'est vrai que normalement, tes mecs, ils se ramènent avec une batte de baseball et une arme de poing, mec. Tu veux faire quoi quand des gars en face qui ont des mitraillettes, des lance-bazookas? Oh putain. Des bazookas, des lance-roquettes. Ouais, c'est clair qu'une mitraillette, c'est toujours mieux, quoi. Donc voilà. Les missions ne s'arrêtent jamais. Tu gagnes tout le temps un tas de pognon. C'est vrai que voilà, moi, j'ai un peu triché là-dessus, mais c'est pas grave.
Et nique sa mère, on saute, t'as vu? Ok, l'atterrissage, je sais pas si on peut faire un atterrissage en tout ça, parce que chaque fois que j'essaye, je me pète la gueule. Ah ouais. Et on vole les véhicules, bien sûr, comme tout malfrat qui se respecte, le vol des véhicules, c'est le minimum. Donc voilà, vas-y, on change la radio, sa mère. Je remets le truc de hip-hop. Ouais, c'est quoi ce son là? Ouais. Oh bah vas-y, tu sais quoi, je vais laisser ça. Et on se quitte là-dessus. Oh putain, on se quitte là-dessus. Et bah à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être un truc pépère. Là en ce moment je prépare un zapping des meilleurs moments. Donc en fait des gros fails ou des délires ou des trucs que j'ai essayé que j'ai complètement raté ou des phases où on se marre trop avec des potes, bah j'ai fait tout ça dans une compilation. Et voilà. En tout cas moi ça me fait marrer, après espérons que ça vous fait marrer aussi. Je l'espère en tout cas, et puis ça arrivera très bientôt. J'y travaille. Bon, j'ai 2-3 trucs à faire aussi de côté, mais. Mais voilà, donc là je vais vite m'acheter un petit building. 1000, 1000, ok, c'est rien du tout 1000. Voilà, là j'ai acheté un building. Nice. Et puis, ouais, en fait, tu peux contrôler aussi des territoires, etc. Après, si vous voulez une vidéo plus spécifique et tout, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire, à vous abonner à la chaîne et à me dire. Bah, vous lâchez un commentaire avec une critique constructive. Je sais pas, par exemple, il manque ci, il manque ça, je devrais faire ça. Ah! Ouais, bah voilà. Donc, n'hésitez pas s'il y a quelque chose, si vous voulez que je continue à faire des vidéos sur ce jeu, etc. Bah, faites-moi signe. Yes! À bientôt, les gens. Ciao, ciao!